Beau matin à toutes et tous. Eh bien, on se retrouve pour le dernier message de cette semaine, le dernier conseil de la carte du jour de ce vendredi 18 octobre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je commence par la petite pensée positive. Ce n'est pas grave. Acceptez que les choses ne soient jamais tout à fait comme on le voudrait et se dire que ce n'est pas très grave, n'est-ce pas? Ça, c'est pas facile hein, quand on veut tout contrôler. Allez. Eh bien, pour terminer cette semaine, j'ai pigé la carte numéro 37. Te souviens-tu du jour de ta venue au monde? Te souviens-tu de ton premier chagrin? Crois-tu qu'il soit important de te noyer dans le passé pour avancer? Quoique me souvenir de ma venue au monde, m'en souviens pas. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais pour ma part, je ne m'en souviens pas. Allez, petit conseil de la carte. Côté finance, eh bien, attention pour certains d'entre vous, n'est-ce pas? Vous avez encore votre libre arbitre. Les situations ne se répètent pas toujours. Mais les plus difficiles devraient vous laisser une attention bienveillante sur vos finances. Alors, n'allez pas dans les extrêmes, n'est-ce pas? Qu'ils soient positifs ou négatifs. Un juste milieu. Et c'est un juste milieu pour tout, n'est-ce pas? Pour tout, on doit avoir un juste milieu. Côté professionnel, eh bien, qui n'a jamais fait d'erreur? Moi, je ne vais pas le dire, hein, parce que j'en ai commis des erreurs professionnellement. Aucune n'est irréparable. Choisissez dès aujourd'hui l'endroit de votre équilibre, de sérénité et travailler dessus pour le pérenniser. Et côté sentiment, toutes les épreuves que vous avez traversées, et Dieu sait que pour certains d'entre vous, vous en avez traversé, et que vous traverserez encore, eh bien, elles ont la charge de vous faire grandir. Ne vous victimisez pas, plus que vous ne l'êtes déjà, n'est-ce pas? Alors moi, je vous invite à prendre le temps de réfléchir sur vous-même et pourquoi pas faire briller à nouveau la beauté qui est en vous, cette petite flamme qui est en vous. Ne soyez pas éteinte. Et puis, petit conseil spirituel, même si votre parcours vous semble moins douloureux que pour d'autres, votre évolution a le droit d'exister. Ne créez pas plus de souffrance que vous ne portez déjà. Oui, moi ça, c'est quelque chose qui me parle aussi ça, hein. Ça parlera à certains, ça parlera pas à d'autres. Et puis je vais terminer avec Ho'oponopono, n'est-ce pas? Mais je vais rebondir sur le sentiment. Vous êtes peut-être dans une période très difficile et pour certains d'entre vous, vous vous victimisez. Mais dites-vous bien que lorsque dans un couple on rencontre des problèmes, ça ne vient pas que d'une personne, n'est-ce pas? Donc arrêtez de vous victimiser, prenez le taureau par les cornes et soyez conscient qu'il y a une part de votre faute entre guillemets, n'est-ce pas? Parce que vous n'êtes pas parfait ni parfaite. Alors oui, il y a de la part de l'autre,
mais il y a probablement aussi une part de vous-même. Donc peut-être travaillez là-dessus et demandez-vous aussi encore une fois, qu'est-ce que je peux mettre en place pour arrêter de me victimiser, n'est-ce pas? Et de faire briller cette petite flamme qui est en moi, cette petite lumière, cette beauté qui est en vous. Alors, Ho'oponopono, le pardon me permet de retrouver l'harmonie encore, n'est-ce pas, avec le pardon. En demeurant dans la rancune, en demeurant dans la haine, en demeurant dans la jalousie, en demeurant dans la vengeance, eh bien, nous nous sentons mal. Et lorsque nous pardonnons, c'est à ce moment-là que nous retrouvons notre équilibre. C'est à ce moment-là que nous retrouvons la joie et l'harmonie qui éclairent de nouveau notre existence. Si vous n'arrivez pas à pardonner, eh bien, vous serez malheureux. Vous ne serez pas en joie. Ça va être difficile pour vous avancer. Donc pardonnez, pardonnez à l'autre, pas pour l'autre, mais pour vous sentir mieux, pour dégager ce poids qui est sur vos épaules, pour dégager la haine que vous avez, cette rancune. Je sais, c'est pas facile, mais en y travaillant, on y arrive. Moi, j'y suis arrivée et vous, vous pourrez aussi y arriver si vous y travaillez, mais en profondeur, n'est-ce pas? Vraiment, il faut vraiment le vouloir et être conscient que être dans cet état de rancœur, de haine, de colère, on n'arrive à rien. Donc voilà, c'est vraiment un travail sur soi. Eh bien, je vais vous abandonner. Je vais vous souhaiter une excellente journée et puis un très 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 beau week-end à toutes et tous. Encore une fois, je vous remercie hein, pour votre écoute. Mettez des pouces, ça permet à YouTube de répertorier ma chaîne. Ça me fait grand plaisir et puis on se retrouve hein, dans une prochaine capsule et d'ici là, eh bien, moi je vous embrasse et portez-vous bien et je vous dis à très vite.